Si la vie est apparue il y a environ 1 milliard d'années, il faudra attendre 400 000 ans pour observer le prodige que furent les premières cellules nerveuses. C'est alors que la vie telle que nous la connaissons apparaît, des cerveaux en formation de seulement quelques milligrammes. Il est impossible à ce stade de déceler quelques signes d'intelligence que ce soit. L'action est plutôt de type réflexe. Un neurone et vous êtes en vie, deux neurones, vous bougez. Et avec le mouvement, des choses intéressantes commencent à arriver. La vie animale sur Terre remonte à plusieurs millions d'années. Et pourtant, la plupart des espèces n'utilisent que 3 à 5% de leur capacité cérébrale. Mais ce n'est que lorsqu'on arrive à l'être humain qui est au sommet de la chaîne animale qu'on peut enfin voir les capacités du cerveau utilisées de façon plus importante. Formidable animal utilise près de 20% de ce que son cerveau a comme potentiel. Ce pourcentage le dote en trop. Un système d'écolocation considéré comme plus performant que n'importe quel sonar inventé par l'homme. Si la vie est apparue il y a environ 1 milliard d'années, il faudra attendre 400 000 ans pour observer le prodige que furent les premières cellules. Formidable animal utilise près de 20% de ce que son cerveau a comme potentiel. Ce pourcentage le dote entre autres d'un système d'écolocation considéré comme plus performant que n'importe quel sonar inventé par l'homme. We'll be right back.
n'importe quel sonar inventé par l'homme. Mais le dauphin n'a pas inventé le sonar. Il l'a naturellement. Monsieur à mon club, nous faisions une partie de backgammon tout en parlant de l'œuvre de Schopenhauer. Monsieur Simpson, c'est un délit de mentir au FBI. Vous bouffez 10 sachets de chips dans la bagnole à Barney, ça vous va? Avec un ancien à mon club, nous faisions une partie de backgammon tout en parlant de l'œuvre de Schopenhauer. Monsieur Simpson, c'est un délit de mentir au FBI. Vous bouffez 10 sachets de chips dans la bagnole à Barney, ça... Ça vous va? Vous, j'êtes un sacré canard et je pèse mes mots. Si j'étais pas marié, on irait faire un tour et hop. Oh, je suis vraiment désolé. Quoi qu'il arrive, dites rien à Marjo, je l'aime. Ouh, une pièce! Alors, vous êtes qui?
programme est présenté par Starpy Productions.